Salut la France, super! Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la Cupra de mon pote. Donc c'est un moteur TFSI avec, bon, c'est les gros, hein, c'est les 265 chevaux avec le moteur de la TTS par exemple ou de la S3. Là-dessus, en fait, on a filmé tellement longtemps parce qu'on a montré trop de trucs, donc je vais être obligé de scinder la vidéo en deux. Donc il y aura, je vais essayer de tout bien organiser. Il y aura une vidéo de démontage, il y aura une vidéo de montage. Où on remonte la chaîne, la courroie de distri et la chaîne. Mais on fait plein d'autres trucs. Et il y aura une autre vidéo où on monte son, le pignon. Il y a un pignon dans le bas moteur pour fiabiliser les TFSI. On fera ça dans une autre vidéo. J'ai filmé aussi en accéléré. Donc je ferai une vidéo complète parce que je sais qu'il y en a qui veulent tous les détails sur quelle vis se démonte, quel machin. Donc il y aura une vidéo complète de démontage. Donc de A à Z, donc on commence, on explique toutes les vis jusqu'au tous les détails, comment on diagnostique, pourquoi la chaîne est à changer, la courroie, comment elle se tend, voilà, tout ça. Donc on va faire démontage après notre vidéo où on remonte. Donc en fait, ceux qui veulent juste remonter, ils pourront prendre que la deuxième vidéo. Après, je ferai une vidéo très courte où il y aura les deux, démontage, remontage, très courte. Et après, je ferai une vidéo où il y a tout en accéléré. Voilà, ce sera juste un rush où on me voit faire... Donc voilà, je te laisse avec le contenu de la vidéo. Bah, ciao bimbo! Salut la France! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur remplacement de courroie de distri sur la Cupra 2 litres TFSI, moteur de type CDLA. Donc le moteur, le vrai, à courroie plus chaîne. Et sur ce modèle-là, on a vérifié, donc on va te montrer ça sur le VCDS, comment contrôler la détente de la chaîne. Parce que côté arbre à cam, il y a une chaîne qui entraîne l'autre arbre à cam et il y a le galet qui se détend. Donc on va sur petit VCDS et puis je te montre tout ça. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est courroie de distri, démonter les arbres à cam, on va changer la chaîne, on va changer le galet des arbres à cam. Après, on va s'occuper du cam follower, on va changer tous les filtres. Après, on va s'occuper en bas de l'arbre d'équilibrage. Le gars, il a acheté le petit pignon fou là, donc on va monter ça et je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Donc là, c'est parti, VCDS, on allume le moteur et je te montre les groupes de mesure. Donc, on démarre le véhicule. On branche le VCDS, le VCD fesses. Donc on va aller dans moteur, groupe de mesure. Et donc c'était le 93. Oui. Là, en fait, ici, il y a une valeur. Et quand, genre quand c'est 9, tu es à 0 ou plus 1, on va dire. Et en fait, c'est la détente, c'est le nombre de degrés de décalage entre l'origine et à présent. Donc en fait là on est à moins 5, donc ça veut dire moins 5 c'est la dernière cote. En fait la cote de tolérance c'est plus 5, moins 5. La voiture fonctionne. Si tu es à moins 5, genre le degré d'après, c'est que ça va t'allumer le voyant et la chaîne des arbres à cam, elle est trop détendue et du coup c'est à faire. Donc là c'est à moins 5. Moi sur ma TT je suis à moins 2, j'ai vérifié, donc c'est pas à faire. Donc là logiquement ce serait pas à faire. Mais la voiture à 140 000 km, on fait la courroie, du coup on le tape en direct parce que c'est dans pas longtemps quoi. Et ce qui est très bizarre, c'est que ma TT à 130 000, cette voiture à 140 000, et on a quand même 3 degrés de différence. Donc c'est quand même beaucoup. Donc bah là, ça justifie le fait qu'il faut faire la chaîne des arbres à cam. Donc c'est parti. En fait, ce qui se passe, c'est que T'as un galet tendeur hydraulique, enfin c'est pas un galet, c'est un patin hydraulique qui, avec la pression d'huile, il vient pousser la chaîne des deux arbres à cam qui fait que ça va tendre la chaîne. Donc à chaque fois, t'as un petit cran. Donc ce qui veut dire que c'est tout le temps en train de rattraper le jeu, donc ça te met la bonne valeur. Et en fait, quand ça commence à déconner, ça déconne d'un coup, c'est-à-dire que quand le galet il est arrivé à fond de course, bah en fait, ça peut plus rattraper le jeu. Donc, c'est là que tu commences à perdre des degrés. Donc, en gros, ça veut pas forcément dire que si tu es à moins 3, ça veut pas forcément dire que c'est bon. Parce que peut-être que c'est en train de... Si tu veux, pendant longtemps, ça va rester à la même valeur, le temps qu'il se détende. Et quand il est en fin de course, c'est là que ça se dégrade. Mais bon, ça fait pas ça en... C'est pas super rapide. Mais il faut contrôler. Parce que quand tu achètes la bagnole et que le gars te dit
C'est bon, Merly, j'ai fait la courroie, c'est bon. Peut-être il a pas fait la chaîne. Vraiment, ça c'est... Beau t-shirt. On sent le gars qui est présent sur la chaîne. Le gars, les fans de la communauté, quoi. On est là, quoi. On met la bagnole sur cale, on démonte la roue, on démonte les caches et on te montre tout ça. Voilà, on a enlevé le cache moteur avec cet étonné-là. Il y en a deux autres là. On a enlevé la batterie, on a enlevé la plaque de la batterie. Il y a trois vis. 1, 2, 3. De ce côté-ci. Donc ici, on a la pompe haute pression avec le fameux cam follower qu'on va changer. Ici, il y a le déphaseur des arbres à cam. Donc ici, bah, c'est tout ce bloc-là qu'on va devoir enlever pour échanger la chaîne des arbres à cam. Ici, sur les... C'est quoi qu'on avait dit? Parce que moi, sur ma TT, c'est le 200 chevaux. C'est le BWA, le moteur. Donc c'est le... turbo K03 et ma dump elle est derrière, alors que sur les K04 la dump est devant, c'est ça que t'as dit, ouais. Et là il y a une petite pipite, une pipite forge qu'on va remettre tout ça d'origine. Donc ici on va faire de la place. Tu peux enlever tes mimines s'il te plaît, merci. On va enlever filtre canister, je sais pas si ça vire ou que ça, on vire ça parce qu'on va devoir aller travailler ici. On va devoir enlever le support moteur, donc il faut caler le moteur du dessous. On a enlevé le passage de roue. Il faut qu'on enlève ces vis-là pour avoir accès à tout le merdier. La courroie d'accessoires. J'ai enlevé le cache du dessous. Et puis, on est pas mal. Bon, ça y est, on a tout dépoilé, on a vidé un peu de liquide de refroidissement pour enlever le vase. On a défait le manchon du liquide de lave-glace. On a enlevé le purge canister qui était relié là. J'ai enlevé la durite qui vient là. La durite ici, ça c'est la purge canister. Donc maintenant, ce qui fait chier encore, c'est faut qu'on enlève la courroie d'accessoires, donc clé à molette. On prend ça, on fait tac, la cap, on enlève tuk tuk, bim bim, et puis on se rejoint en bas. Là. Le repère où tu parles? Ici, là. Je vois pas ce que tu montres. Ici, là, tu vois, ah, au bout de mon doigt, il y a une flèche. Ouais, c'est bon. Donc, moi, je vais tourner jusqu'à ce que tu sois dans le... Jusqu'à ce que le trait soit sur le repère. Ah ouais, mais attends, je le vois pas, le repère de la poulie. Mais moi, je vais le voir. Ah, toi, tu le vois? Oui. D'accord, ok. Bon, j'y vais, alors. Vas-y, tourne. Hop, il arrive, il est presque là. Vas-y, encore, top, encore un peu, hop, t'y es là. Là, t'es pile dessus, tu le vois ou pas? Passe ton doigt sur la poulie, tu vas le sentir. Tu sais... là. Ouais. Ok. Bah, t'es pile en face du... Tu vois les vis qu'il y a là. En fait, celle-là, c'est trop la merde à enlever. Ce qu'il faut faire, c'est tu mets l'embout et tu lui mets un coup de marteau pour le choquer. En fait, ça va choquer le filet. Tu fais ça sur toutes et elles vont se desserrer facile.
Faut mettre des bons coups. Et ça, c'est pas un truc cool. C'est pas un truc cool. Et là, il y a un petit... Il y a un petit centreur. Un petit détrompeur de poulie. Et ça vient tout seul. Foiré. Ah non. Putain, j'ai eu peur. Je tape pas les vis avant de les démonter. Je disais, mon pote, l'ancien. Un petit coup de WDEX. SDLLX. Je sais pas si vous maillez ça. Bon, oui. Putain, c'est tout neuf. Voilà. Donc ici, il y a le repère PMH. Qui est censé tomber en face. La petite flèche ici. Petite flèche là. On la voit. Je fais un zoom. Et puis. Et ben voilà. Je vais juste vérifier qu'on y soit bien. C'est bon? Tiens, regarde là. Regarde cette pièce là. Le pignon là. En fait, il est plus. Il est pas parfaitement rond. Si tu regardes bien, il est plus long là que comme ça. Si tu regardes la distance entre ce trou là, là et le pignon. Tu vois qu'ici, c'est beaucoup plus grand. Et en fait, il est en ellipse. Et ça, c'est dû au fait qu'ils ont réussi à... Ils ont réussi à faire péter une... À éclater une fréquence de résonance due au coup de bélier des pistons en mettant une ellipse à la place d'un vrai rond sur le pignon. Et en fait, grâce à ça, ils économisent... La courroie de distri, elle dure beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que l'entretien, c'est... Tous les combien là-dessus? La courroie? Normalement, c'est 80, 90 000. Je crois que c'est 120 ou 130 ou même plus des fois encore. Moi, on m'a dit 180 000. Ouais, c'est possible. Putain, doublé. Enfin bon, bref. Ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles... Tu vois ce que je veux dire? Alors... Ça vient... Ah ouais, je voulais enlever ça. C'est le capteur de quoi, ça? D'arbre à cam? Je sais pas ce que c'est, ça. Tu le sais, toi? Non. Tu sais pas, toi? T'es là en spectateur, quoi. Ça sort, ça, ou pas? Non, ça va pas sortir. Oh, elle est vilaine, la courroie. Il est détend. Elle est pas belle. Hein. Elle est pas morte non plus, mais... Il était temps, quoi. 140 000 km. Ouais. Donné, soi-disant, pour 180 000. Durée, ouais, ça les aurait peut-être fait. Hein. Durée illimitée. Et là, elle a 14 ans. 14 ans, ouais. Comme quoi, le truc, la règle des 5 ans, là. Je le pète, le cache, ou... Ouais, non. Non. Ah, en fait, c'est un capteur d'Abracam, il est là. L'Abracam. La Bracane, comme il disait l'autre dans mon coin. Il y en a un dans les commentaires, il a écrit ça. Abracan. Un Abracan, en un mot. La Bracane. Il faut que je défasse... Délicatement, s'il te plaît. Je peux le casser? Ou pas? Il viendra pas, cette pute. Il faut enlever le support. De toute façon, on est obligé de l'enlever, le support. Mais bon. Non, mais ça bloque là. Faut qu'on enlève le support. Eh ben, on va enlever le support? Allez. Ah, et la vis, dis bonjour. Salut. Tu passes pile ta tête dans le trou. Waouh, mais quelle précision! Il y a la technique. Hein. Ah oui, il a la technique. Ok. Beau t-shirt. En vente dans la description de la boutique Amésis. Bon là, on a calé le moteur sous le cric. Je vais monter un petit peu pour mettre lui en contrainte sur lui. Donc maintenant, on va défaire ça. Ça doit être du 16 et ça du 18. 18. Mais pas lui, lui. Tu vois bien qu'il n'y a rien là. T'attends quoi que je le fasse? La grosse ou la petite? Bah la grosse là. Mais non mais... Ouais vas-y, tu peux prendre... Non je croyais que t'allais le faire au cliquet. Je pensais que t'étais... Ça, ce sont... Comme ça direct là. Alors je suis en quoi? Non pas elle, fais l'autre d'abord en face. L'autre 16. Là. Bonjour. Je pense qu'on va être obligé d'enlever le pot et je viens de comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce que là, en fait, pour qu'on enlève, il y a des vis comme ça, là, dans le bloc, pour tenir lui. Là, tu vas enlever ça, là. Ouais. Ça va partir. Après, il reste lui. Et lui, il faut qu'on l'enlève. Et lui, il a des vis dans le bloc. Et donc, pour atteindre avec notre clé, il faut soit monter, soit descendre. Ouais. Donc, il faudra regarder si le pot, il gêne pas. Celle-là? Ouais. Il est dans ton cul.
T'as réussi ou pas? Non. Ça se voit que tu fais jamais de mécanique. Il est pas putain, je suis mort. C'est toi la grosse. Regarde-le le feignant. Tu vas tout casser avec ça. Ah ouais. C'est pas le... Il est où ton pantalon? Il est beau ton pantalon. En vrai, il est pas mal. C'est quand tu veux, je suis en train de bouffer ma mémoire. Il est où ton embout? 1, 2. Attends, je suis en train de quoi là? Putain. Putain. Ah bah, fais l'autre tout de suite. Ah bah mon gars. Ah, tu me comprends maintenant? C'était serré, hein. Tu peux l'enlever du coup. Ouais, tu te fous de ma gueule. Quand tu veux. C'est bon, je peux l'enlever maintenant? Elle y va ou elle y va pas là? C'est chaud, moi. Ok. Tiens, remets les vis. Remets les vis où elles étaient. Ouais. Parce qu'il y en a une qui avait un petit... Bon là, on a levé un petit peu. Donc là, il y a une vis de 16. Et il y en a une autre là. Là-bas, là, pour enlever le support. Je pense qu'on va monter encore un peu. Donc, on enlève ça et puis on te tient au jus. Bon, support d'anti-basculement en bas, il est déposé. Il y a une vis là pour le cache. On a décalé ça. On a fait tomber le cache. Et après, ça, ça s'enlève comme ça. Là, il faut tourner. Échapper la courroie ici, et là il vient. Ça, c'est un TikTok, ça, mec. Putain, si tu veux voir comment est fait le cache, en fait, le cache il rentre là-dedans. Donc il y a deux vis du bas, deux là, et il y en a une qui est planquée là. Voilà. Et voici la distribution. Pas mal de poussière. Ça, c'est de la. C'est de l'usure de la courroie, le truc marron qu'on voit partout. Donc bon bah, on est bien content de le faire. C'est quoi ça? C'est le repère, hein? Une petite bite qui dépasse. Hein. Donc bah là, bah ici on a un repère qui est en face de la flèche là-bas. Donc là on est bien calé. Par principe, je vais mettre mes petits coups de marqueur sur la courroie pour être tranquille, mais c'est pas vraiment utile. Et puis voilà, on va pouvoir déposer la distribution.
Salut la France. Bon, on a enlevé Schkaschkulbuter. Le Schkaschkulbuter. Donc, on l'a déverrouillé d'ici. Clac, clac, c'était un peu raide, mais c'est venu. Tu forces tout doucement. Au bout d'un moment, ça fait clic, 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 clic. Ça, c'est trop la merde à enlever. Donc, WD-40, t'enlèves celle-là. WD-40, tu zizounes. Au bout d'un moment, ça fait poc et tu l'enlèves. On va enlever la pompe haute pression avec le tuyau basse pression qui est là et le tuyau haute pression qui est là. Il y a les vis autour, on va l'enlever. C'est là-dedans qu'il y a le cam follower parce que c'est l'arbre à cam qui appuie sur le cam follower qui met en pression l'essence. Après, on va enlever le petit bloc à lui qui est là avec les petites vis qui est là et le gros bloc avec les électrovannes et tout pour le déphaseur et tout où c'est qu'il y a le tendeur et la chaîne des arbres à cam de distribution de commande de soucape. Alors, trois vis, une ici, une là, et une là, qui rentre dans ce trou-là, qui est différente d'ailleurs, elle est noire. En fait, je voulais que tu filmes de là, pour qu'on voie ce que je fais là. Ah oui, il est là, le petit joint. Bah là, du coup, on va pouvoir le déclipser. Il n'y a rien qui peut tomber, là. Là, il y a un clips, ici. Tu vois, là. Tac. Oh, putain. Et il y a le même de l'autre côté. Faut que tu m'aides, là. Arrête de filmer. Bon, là, on reconnaît bien l'arbre à cam avec les trois... cam qui appuie sur la pompe haute pression, donc c'est bien l'arbre à cam du CDLA, contrairement au BWA qui en a que deux. Et puis ben, on va continuer le démontage, donc là ça va être démontage de la pompe HP. Et puis quoi d'autre? Quoi d'autre? Tout ceci est filmé en accéléré. Tu pourras retrouver la version accélérée. Alors ça, t'as un clips là. Le même de l'autre côté. T'as le petit joint torique ici. Il y a un joint torique autour de ça. Ben c'est bon. Là, on va enlever... Je vais enlever ce truc-là, là, parce que ça va faire chier. Parce que là, on va enlever tout le bloc. Là. Donc, toutes les vis du contour. Et puis... Mais déjà ça. Donc là... Alors là, il y a... Beaucoup de pression, faut un peu prendre, faut mettre des lunettes et faire gaffe parce que là il y a vraiment pas mal de pression d'essence. Et puis bon, sinon ça se démonte bien normalement. Toi aussi, tu veux apprendre la mécanique? Abonne-toi à la chaîne Amesis Project. On fait des tutos sans savoir ce qu'on fait. On fait des tutos à l'avancement, nous.
C'est-à-dire que tu sauras que en fin de vidéo si on a fait des conneries ou pas. Non, je déconne, on a tout lu les docs avant. Comment j'attrape cette vis de merde, là? Tu m'expliques? Putain, mais c'est quoi ce truc de merde? Et tout le temps, travailler en sécurité. Il y a des tubs. Je vais faire un truc salement sale qui va pas te plaire, frère. Un truc sale? Ouais. Là, il y a un petit étounet dans la vis du torx. Parce que du coup, il faudrait que j'enlève ça pour atteindre cette vis de merde. Mais ça, là. Il y a un petit téton, là, tu le vois? Faudrait qu'il y ait un torx avec un trou. Ah ouais. Et je crois que j'en ai. Putain, ils sont... Comment s'appellent ces trucs, déjà? Je sais pas. C'est un nom. Ouais, sûrement. Je pense que chaque chose a un nom. J'en ai, c'est sûr. Vas-y, coupe, on va aller chercher. Il y a quoi derrière ça? De l'essence. Attends. Je vais mettre un peu de sop. Coupe pas, coupe pas! T'as coupé? Non. Sait-on jamais? Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Fallait pas le démonter, ça. Là, ah non, t'étais avons... obligé. Une rondelle. Mais si le camfolo, il est derrière ça, non? Ah non, il est derrière ça, non? Ouais, mais là, tu peux le choper d'ici, non? Ah non, je pense que là, c'était pour accéder à cette vis-là. Oui, d'accord, mais je veux dire... Je suis pas... Je sais pas. Fais gaffe ce qu'il y a... voir ce qu'il y a derrière. Ce que je veux dire... Non, pas rien. Bon. C'est une rondelle, là. Toc. On va laisser ça comme ça. Je vais juste le démonter. Tu le remets? Mais je peux pas. Non, ça. Pas tout faire tomber, non? Toi, tu dis que maintenant que j'ai enlevé ça, je le remets par sécurité? Oui. C'est pas une mauvaise idée. T'as les vis? Tu mets les vis dans ta poche. Tu les as ou pas? Deux secondes. Il les vis dans sa poche, celui-ci. Je savais que je les avais là. C'est la durite qui va me faire chier. Je le sens. Ouais, c'est ça. Putain. Tu peux enlever l'autre peut-être, non? Là. Bah ouais. Ça vient vraiment pas. Je sais pas comment c'est... Ah putain, c'est vrai qu'il y a un gros... Il y a un gros tige en fait, je crois. Et cette barre au milieu de rien là, qu'est-ce qu'ils ont été fous de ça là en vrai? Là, hop. Le bébé. Baby. Le bébé. Poussez madame, la tête sort. Ah, le fameux. Là, c'est la surprise du chef. km. Pas un pet de jeu, mon gars. Ça a dû être changé, déjà, c'est pas possible. Non? Bah, c'est pas tous, hein. Pas un pet de jeu. Tu vas mettre le nouveau, ou pas? Parce que toi, tu pars du principe que vu que c'est neuf, c'est mieux. Mais moi, je pars pas de ce principe-là. Moi, je pars du principe que si t'as une pièce qui fonctionne, faut pas la changer. Mmh. Voilà. Ouais, ça me va. Puis je garderai l'autre. Tu gardes l'autre en rab. Comme ça, tu la vérifies dans X temps. Mmh. Parce que tu les as déjà vus, les... On mettra une image.
de quand ça c'est commence à être mort, ouais. quand ça commence à être bien mort, mmh. quand c'est mort et quand ça a tout flingué. Tu les as vues les photos? Là c'est... machin il est plat quoi. Je veux bien qu'on mette une règle avec un jeu de calme. Non, et moi je dis que c'est neuf. Je suis hein. confiant. Là je suis bien. Ah oh, je suis bien. Ah là je suis bien. Oh, je suis bien. Non là je suis pas bien, j'ai le dos éclaté. C'est bon? Ouais. Moi je suis en train d'enlever les fixations du de ce truc là là. Moyé. Il y a deux vis, alors c'est des vis à 12 ponts de merde là. Donc si t'as pas l'embout, bah tu mets du torx et tu l'encules bien comme il faut. Donc ça, on va enlever ça. Donc ça, il y a une petite flexion, mais pas beaucoup. Donc on va enlever l'électrovanne de commande de la... de... c'est le déphaseur, je pense. Comme ça, on va soulever un peu ça et on pourra sortir tout le bloc alu. Donc bloc alu, il y a trois vis en haut, il y en a une derrière, il y en a une là, il y en a une là. Donc bah c'est parti, on enlève le solénoïde, on enlève l'électrovanne. Tout le temps quelqu'un qui est là pour te filmer, tu vois. Ça tourne, Amésis. Merci, je l'ai vu, je l'ai entendu, je suis quelqu'un de professionnel. Tiens-moi ça. Moi aussi. Ouais, t'es un peu lent. Il est où le débranché? Il est là. Ça sort comment cette merde? Là, c'est là-dedans qu'il y a 15 joints toriques. Putain, il est trop gros mon tourne-l'oreille. En voilà un. T'es sorti! Ah non, il n'y a qu'un joint torique. Ok. Ça se démonte bien. Je l'ai pas celui-là. Il n'y a rien qu'à. C'est un peu petit, il n'y a pas beaucoup de place pour certains trucs. Mais est-ce qu'il y a un. Comment dire? Oui. Il y a un angle particulier pour le rentrer et le sortir ou pas? Bah, c'est j'ai les pas trous. Fait gaffe. Tu peux le rentrer droit en fait. Ah, j'ai pas compris ta question. Bah là tu voilà, rentres, okay, tu t'as passé droit. Le joint, okay. Ça c'est certi dans ça, donc tu peux pas le mettre comme non, ça par exemple. Qu'il y avait un demi-tour à faire, un truc comme ça. Ok. Je crois qu'on regarde la gueule du joint torique, mais il m'a pas l'air vilain. Hop ça, là. Ouah, putain. Ça c'était quoi, 10 déca on a vu, 10 newtons. Hop. Ça se précise là. Hop. 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 Hop là. Ça me fait chier depuis le début, mais ça va péter si je l'enlève. Non, tu peux pas. Et la dernière, elle est. Là, il y en a une, évidemment. Mon machin, il va pas passer. Putain. Il y en a une plus bas là. Il y a une vis là où j'ai mon doigt là. Non, mais t'en as une là, non? C'est ici là. Non, c'est celle-là. Celle-là, j'ai déjà enlevé. Ça, tu as déjà enlevé? Ouais. Attends. Non, j'attends pas. Oui, t'en as une. Là où j'ai dit? Ouais, là. Là où il y a mon WAD. Tu filmes quoi là? Bon, rien. C'est tes doigts. Tu filmes tes doigts de pied? Elle est où? Putain, mais elle est où cette pute? Là, je suis dedans. Ah putain. Tu fumes en 1 ou en 0,5? 0,5. C'est pas bien? Si, j'aime bien moi. On voit tout bien. Tiens. Petit esclave. Faut que je fasse la dernière là. Peut-être que... je sais pas si ça suffit. Il manque 2000. Oh putain, c'est pénible. Pénible. C'est pénible. Bon, vas-y, coupe, hein, on montrera quand on aura enlevé toutes les vis. Là-dedans, il y a un joint périph. Il y a des segments, il y a des joints, il y a du merdier fragile. Donc, il faut démonter ça avec parcimonie.
Moi, j'aime bien choquer, tu sais. Ah, bon, lui, on le retrouvera pas. Salut. J'aime bien choquer les trucs, tu sais, ça déverrouille un peu. Lui, il peut m'embêter un petit peu, mais c'est tout. Allez, viens, toi. Putain, mais pourquoi il y a toujours un truc qui pète les couilles, là? Putain, mais c'est un truc de dingue, en vrai. Toujours un truc qui est là pour te casser les couilles. Ah! Tiens, tu veux voir? Filme pas la plaque de mes véhicules personnels, s'il te plaît. C'est ça, des petits... Ouais. Les petits segments ultra fragiles? Ouais, c'est ce qui rentre dans le déphaseur, là-bas. Vas-y, filme. Handicapé. C'est comment? J'ai l'impression sur t'as photo. Coupé ou pas? Non. Okay. Sur photo. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a bien pire que ça au niveau du tender en butée. Ah, tu crois? Je sais. Pourrait comparer avec le neuf, mais. Je sais pas. Donc là, en fait, il y a deux solutions techniques. La première, c'était pas obligé de démonter tout le merdier. Tu démontes la vis qu'il y a là pour enlever le déphaseur et changer la chaîne. Mais la vis qu'il y a là, déjà, premièrement, c'est un embout spécifique. Je crois que c'est le même embout que les... Tu peux la montrer là-bas. Que les culasses de 1 litre 8 turbo. Filme pas ta plaque, mec. Tu vois, c'est ni du Torx, ni du Allen. C'est un embout spécial. Voilà. Et en fait, vu que c'est conique, c'est serré à mort dans l'arbre à cam. Et la plupart des mecs qui démontent ça, en fait, ils cassent la vis. Donc après, il faut démonter les arbres à cam, percer, machin, nanan. Donc moi, j'ai opté pour une autre façon de faire, qui est beaucoup plus chiante, mais normalement... ne pose pas de problème de casse, c'est qu'on va enlever tout le bloc ici. On a lu, donc c'est les paliers d'arbre à cam. Parce que oui, pour bloquer en plus, il faut un outil spécifique qui vient se brancher là-dedans, qui te verrouille les arbres à cam. Enfin, c'est un bordel. S'il n'y a même pas de clé, là, tu peux même pas tenir l'arbre à cam, en fait. Et donc, on va enlever les arbres à cam. Donc, je vais enlever la courroie, on va enlever ça. Après, on va enlever tous les paliers parce qu'en fait, c'est tout un bloc alu, les paliers. Tu vois, les paliers qu'il y a là, bah, c'est le même moule que l'alu qu'il y a tout autour. Et donc, en enlevant les arbres à cam, on va pouvoir détendre la chaîne et remettre le nouveau. Donc ça, c'est le tendeur bah, qui du coup est arrivé. En fait, la chaîne, elle se détend. Et le tendeur, là, avec la pression, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Donc en fait, à chaque fois qu'il monte, si par exemple, genre, t'étais à moins 2, comme on a vu sur VCDS en début de vidéo. Si par exemple, tu étais à moins 2, il y a un moment, tu vas être à moins 3. Moins 3, moins 3, moins 3. Et après, lui, quand il passe un cran, tac, la chaîne a continué de se détendre. Tac, il monte. En fait, tu reviens à moins 2. Et tu fais ça tout le long du truc. Et quand il arrive en butée, bah, c'est là que tu fais moins 3, moins 4, moins 5. Et là, on est à moins 5. Et le truc, je sais pas, on va comparer avec le 9. C'est moi qui l'ai ? C'est le mien que tu vas montrer. Ouais. Ah merde, c'est la chaîne, ça. Fuck. Oh, franchement. Ouais. Bah après, ça peut être que... Peut-être qu'on se rend pas compte, mais ça se trouve, un millimètre, c'est énorme. J'en sais rien. Attends. Enfin, voilà, quoi. Donc là, il y a deux vis là. Une vis là. Et normalement, le patting, il sort ou il sort pas? Je suis pas sûr qu'il sorte parce que là, il est branché derrière le déphaseur. Ou ça va être un bordel encore, ça. Donc là, par souci de sécurité, on a tracé. Donc ici, on est au point mort haut. Donc on est à la flèche. Là, il y a une flèche, il y a un petit trait de repère. Ici, j'ai noté la petite flèche en rouge sur le cavalier
il y a une flèche qui tombe en fin de cam là. Donc j'ai noté sur l'arbre à cam, idem ici. Sur les dents des pignons d'arbre à cam, j'ai noté un trait rouge qui correspond à ce trait rouge là. Et ici, pareil, et j'ai rayé le déphaseur ici pour savoir où ça commence. Et entre cet emplacement-là, donc si on est pigé là, au repère avec la flèche ici, que la fin de cam est en face de la flèche du palier, et que le déphaseur, il est dans le bon trou, à partir d'ici, on compte la première dent, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et 15, donc 15 trous de chaîne, c'est l'intervalle des deux pignons. Et donc là, ça veut dire qu'on est bien calé. C'est bon? Donc là, on va desserrer celui-ci. Là, c'est parti là. C'est du 12. Putain, c'est du 12, lui. Aïe, putain, je me suis ripé les doigts, là, ça y est, là. Donc là, faut prendre une clé sur l'aile. Une clé à l'un. Ça, c'est trop gros? Non. Putain, ça y est, je me suis niqué la main, quoi. Ça devrait tout sortir maintenant. Mais c'est les mêmes ou pas ceux-là du coup? Filme ça. Celui-là était en bas, celui-là était en haut. Ça c'est une clé de 12. Putain, la vie ça fait flipper mon gars. On dirait une vie chinoise chromée. Ah non, il est un peu plus grand lui, puis il a un épaulement là. Donc l'épaulement, c'est là. C'est celui qui est là. C'est celui-là. Et lui, c'est celui qui est en bas là. Ensuite de ça. Donc là, on est desserré. Je peux enlever ça. Elle était comme ça. Est-ce que les écritures sont dans le bon sens, voilà. C'est les écritures vers nous quand on est là, comme ça. Donc ça, c'est bon. Le galet. Il n'y a même pas de jeu. C'est fou de changer ça. Putain, c'est d'origine. Tiens, filme la ref. D'origine. On la voit bien, c'est bon. Ok, ok. Ensuite, donc ça fera qu'on la vire, hein, ça faut changer. La pompe à eau, on le fera en dernier parce que ça va pisser l'eau partout là. Du coup, il y avait ce fameux cache qu'il va falloir qu'on vire parce que, bah, en fait. Quand l'arbre à cam, il est solidaire de l'arbre à cam, donc faut qu'on enlève ça. Faut qu'on enlève ce truc-là. Et ah ouais, j'ai mon repère. En fait, il y a le petit trait là. Là, il y a mon trait blanc, mais à côté d'origine, il y a une marque, il y a un trait qui a été fait, et c'est en face de, bah, du coup, de la flèche qu'il y a là. Du coup, on n'est pas tout à fait dessus, en fait. On est décalé d'une dent, là. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Mais on va pas toucher. Putain, regarde. Attends, j'ai pas compris. De quoi? Là, en fait, le trait, il est là. Ouais. Attends, je vais prendre un. Parce que toi, quand t'as fait le trait, c'était à quel moment? Bah, si tu veux, moi, j'ai pigé. Là, j'ai fait mon trait
vu qu'il n'y a pas de pige à mettre, c'est de l'approximation. Ouais. Ça veut dire que si je dois remettre la courroie, il faut que je la remette exactement comme je suis là. Donc il faut que je prenne en repère mes repères. Et non plus les repères du... Mais attends, là, il y a un repère là-dessus. Donc, celle-là, oui, ou pas là, non, à part le tien. Non, là, il y a un trait. J'ai fait mon trait blanc sur le trait, à côté du trait d'origine. Donc, ouais. Le trait d'origine, c'est à gauche de la dent. Donc, c'est ce fil-là. Et ce fil-là, en gros, il tombe là. Mais pourquoi? Bah, parce que, quand il y avait la courroie et tout, je voyais pas bien. Et vu qu'il n'y a pas de pige, bah, je me suis trompé d'une dent, en fait. Ah oui, c'est que tu voyais pas ça. Voilà, je voyais pas ça. Okay, et vu que j'ai fait mon marquage en bas et qu'en haut, on est là, et que maintenant j'ai tout pigé comme ça, je tiens plus en compte du marquage d'origine, je tiens en compte du mien. En bas, tu te rappelles, on avait pigé le... Je sais pas si ça se voit. En bas, là, j'ai tracé le vilebrequin en rouge. Et on a la... Je vais le tracer là, comme ça. Ok, moi je vais le refaire. Alors là, on est pigé, point mort haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner. Donc là, il n'y a plus la courroie. Là, tu peux regarder. Vas-y, regarde. Il n'y a plus la courroie. Et là, je suis pigé point moreau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui fait que je vais aligner les quatre pistons au même niveau pour me mettre en sécurité. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu peux faire bouger l'arbre à cam autant que tu veux. Les pistons, elles ne rencontrent jamais les soupapes. Parce que justement, les pistons sont au milieu. Il y a un point mort où en fait, les quatre pistons, ils se rencontrent au niveau zéro. Voilà. Donc là, j'ai fait un quart de tour arrière. J'ai mes quatre pistons qui sont alignés, plus ou moins. Ce qui fait que maintenant, en haut, je pourrais faire tourner, je ne vais pas le faire, mais je pourrais faire tourner ça. Et les soupapes, elles ne touchent pas les pistons. Petite technique de sécurité. Donc voilà, on va démonter la bracane, la poulie d'Abracane. De l'Abracam, il nous faut du... C'est combien, 17 ? C'est du 16. Donc là, tac. Et en fait, là, je vais avoir besoin de mon pote pour me tenir la poulie. Oui. Pour que l'un tienne et l'autre dévisse. Donc vas-y, coupe. De toute façon, c'est... Bon, maintenant, on desserre la poulie de l'arbre à cam. Facile. Facile. Ah non, il n'y a plus de... Tu sais, faut que ça tombe au moment où on filme, quoi. Montre-lui l'outil. Celui-là. C'est un volant moteur de TDI, ça. Ou de Versys, je sais plus. Parce qu'il y a plein de trous, et je crois que quand il y a plein de trous, c'est Versys. Putain, mon Mac, c'est pas un repose-papier cul, là. Il est fou, lui. Moyer. Bon, ça, c'est enlevé. Elle vient ou non? Elle va pas venir, cette pute. Tout de suite. Putain, faut que j'aille chercher l'arrache sa mère. C'est conique là-dedans. Il est où le maillet? Je veux voir le maillet. Faut l'arrache. Tape pas sur le trait. Sur le plastique. Oui, sur le trait. Mais non, mais il y a l'autre trait constructeur, c'est bon. Non, bah là, faut l'arrache, sa mère. Elle a une goupille qui est là. Bon, bah, je vais chercher l'arrache. Et bah, c'est cool. Parti. Filme. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ça filme. Oui. Elle est où la vis? Là. Voilà. Donc là, on en est là. C'est-à-dire qu'on a enlevé ça et ça, ça sort pas. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que j'ai essayé des arraches à double mort, à trimort. Ça rentre pas derrière, il n'y a pas de place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vissé ça. Je
Je l'ai emmené en butée et je desserre de 2 mm. Voilà. Je prends un marteau. Je l'ai déjà fait, donc c'est pas valable, mais ça fonctionne, c'est pour te montrer. Et je tape sur le plastique. Et si j'ai laissé 2 mm, c'est parce que le plastique, il peut avoir un jeu de 2 mm sans péter. Donc j'ai fait bim en un coup, bim, choqué, tac, lui, elle s'est déverrouillée, tac, tac, bim, bim. Et ça, ça sort. Et donc, il faut faire attention. Parce que quand tu enlèves ça, ici, il y a la clavette. Donc, on l'a déjà fait tout à l'heure, la clavette qui vient là-dedans. Tu as la demi-lune qui est dedans. Et donc là, on va pouvoir enlever les vis, le cache et attaquer le cache-culbut. Enfin, le deuxième cache-culbut. Bon, alors là, je m'apprête à enlever le cache-culbuteur. C'est le cache-cache-culbuteur. Parce que le cache-culbuteur, il est enlevé. Normalement, après, c'est la culasse. Mais là, il y a un deuxième cache. Et en fait, c'est le cache qui est complet, qui tient tous les paliers d'arbre à câble. Donc, l'ordre de serrage, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'ordre de desserrage, c'est l'inverse. On va commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça en dernier. Et donc là, ça se fait par ligne. Le constructeur, il préconise, tu défais toute la ligne à chaque fois. Donc, en mode escargot, on dit qu'on part du milieu et qu'on fait comme ça. Donc là, bah, quitte à choisir, je vais partir du coup des extrémités. Donc, je vais faire ces deux-là, après les deux du milieu. Après ces deux-là, après celle du milieu, parce qu'il n'y en a pas toujours quatre. Et voilà. Donc ça, ça se resserre normalement à 8. Et on peut, je vais le vérifier. Il est où mon traceur? Il est là. Si par exemple, je fais une marque là. Là. Et que celle-là, je la desserre. Ouah putain, bah déjà je peux te dire qu'elle est pas à 8. Logiquement, si je règle ma clé dynamométrique à 8, je devrais tomber pile en face de mon train. Allez, on va lui mettre 8, 8, 8. Juste à fleur du trait au-dessus. Là. Et là, il manque 1 mm. Tu vois, elle est où ma pointe? Elle est là. Putain. Mon trait était là. Et là, il est là. Il manque 2 mm. Alors, si je tape un 9. Non. Un 10. Non. Un 12. Il n'y est pas encore. Normalement, il faudrait desserrer pour vérifier. Pour le faire bien, on devrait faire comme ça. Alors, on y est presque. 12. Allez, 13. Ouais, tu vois là, 13, j'y suis presque. Tu crois que ça se voit la caméra, le petit point là? Ouais, attends. Non, mais du dessus, tu verras pas, faut que tu filmes du côté. Là où j'ai fait le marquage, là. Donc 13. Donc 8 pour 13. Le constructeur, tu lui sert à 8, et lui, il sert à 13. Ou alors, c'est la vieillesse qui fait que. Je sais pas. On sert à combien? À 8 ou à 13? Tu ferais quoi, toi? 10. Toi, tu ferais 10. Je sais pas. Moi, je ferais 14. Je ferais 14. Sans aucun regret. Parce que si j'avais pas eu le coupe, j'aurais fait 2-5. Ouais. C'est du 14, M quoi? Je trouve ça peu. C'est du M quoi? Je sais pas. Thank you.
là, en fait, il y a des centreurs ici qui retiennent. Donc, quand tu enlèves toutes les vis, en fait, ça frotte tellement. C'est-à-dire que le frottement du centreur qu'il y a là, et là, il est plus fort que les ressorts qui poussent contre les arbres à cames. Là, il y a le joint spi. Il est dedans. Évidemment, il s'est coincé du mauvais côté, ce petit tank. Putain, mais pourquoi c'est toujours la merde? Ah, je me suis coupé, ça y est. Putain, c'est du rasoir, ça. Ah ouais, d'accord, il y a une petite gorge pour faire un joint propre. Ok. En fait, il y a un centreur qui vient là et un là. Et en gros, c'est ça qui fait la résistance. Bon, ça par contre, faut très fragile. Donc bah là, il faut qu'on enlève les arbres à canne. J'aime bien dire arbre à canne. Ah, t'as vu, c'est les créneaux pour le capteur qui est là. Du coup, là, il y a quand même un petit... C'est un bouchon, en fait. Parce que lui, il est là-dedans comme ça. Tu sors, toi, ou pas? Oh merde, j'ai pas sorti du bon côté. Putain, mais pourquoi je l'ai pas sorti du bon côté? Oh putain! Il est là le bébé aussi. Niveau le bébé. Poussez madame, la tête sort. Bon, du coup, la chaîne là, elle sort maintenant. Attends, je te mets de l'autre côté. Tu veux qu'on... On peut comparer la chaîne neuve et la chaîne... Ouais. Oh, putain, c'est serré comme un âne, ça. Bon, je le laisse dedans, ça. En fait, j'enlève ça parce qu'on va quand même l'observer. Putain, mais pourquoi c'est serré? Ils ont peur que ça se bat. C'est marrant parce que quand tu regardes les serrages que tu peines à desserrer, tu regardes ce qui est marqué dans la revue technique. Il n'y a pas de lien. Oh putain de sa mère, mais c'est un truc de ouf, l'optique qu'ils ont mis là-dessus. On va aller checker la petite crépine. Il y a une petite crépine d'huile là derrière ça. Voilà. Ah ouais. Il y a une petite crépine qui n'est pas percée, donc qui est en bon état. Il y a même pas de limaille dessus. Tout est en parfait état. Viens, on n'a pas montré la détente de chaîne. On va montrer. Il faut dire aux gens la vérité. La vérité, c'est que ça, c'est l'ancienne chaîne. Et que ça, c'est la nouvelle. Et qu'elle est strictement identique. Donc, ça, c'est pas... ça, c'est pas détendu. Voilà. Même comme ça, on a regardé. Hein, quand on fait ça, l'arc, c'est exactement le même. C'est impressionnant, même, tellement c'est pareil. Donc, on remonte l'origine ou on remonte la phobie Bernstein? La phobie? La phobie? Moi, je t'avoue, je ne sais pas ce que je ferais. Compare le tendeur. Voir au niveau. Amène-le, l'autre. C'est les mêmes types de maillons. C'est les mêmes. Putain, non, mais regarde. C'est ça. On croyait que c'était usé, là. En fait, non, c'est la même.
Là, il y a la crépine. Ouais. Par contre, la tienne, elle est restée sur le bloc, c'est bizarre. Ça l'avait poussé. Bon alors, le galet. C'est un Ina, tu vois, d'origine. C'est pour ça que je te dis que j'aimais bien Ina. Monde d'origine, Ina. Ça, c'est le Flubby Bush. Flubby Bush. Ouais, bah ça a un peu usé, normal, quoi. 140 000 bornes, c'est normal. Usure normale. T'as vu, là, il y a un... Ça doit être un clapet. Genre, quand ça a dépassé ça, ça doit arrêter de tendre. Donc, il y a quand même beaucoup de marge. Hein. Le truc, il sort de ouf. Hein. Quand t'as détendu ta chaîne jusque-là, sur une longueur comme ça... Bon, on fait quoi? On remonte l'origine? On remonte le nouveau? Tu parles de quoi? De l'ensemble, là? Ouais. Tu veux partir sur du neuf, toi? Après, conseille-moi, mais... Bah moi, je sais pas, honnêtement, je peux rien dire. Tu sais jamais comment la pièce neuve, elle est faite. Tu sais jamais comment la pièce qu'a 15 ans, elle va faire... qui va se passer demain, quoi. Tu sais jamais. Je peux pas te donner un avis sûr. C'est bon signe, c'est en bon état. Il faut se réjouir. Oui. Si on remonte ça, tu vas pétouiller, tu vas dire, bah oui. 100 000, je vais niquer le truc. Et si on remonte ça, je vais dire, putain, ça se trouve, c'est de la merde. C'est cause de Flubby Bush, j'aurais dû garder l'ancien. Ok, bah go. Okay.